C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut, Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon, faut qu'on intervienne. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, se ploter et voir où ça nous mène. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna! Désolée, Anna. C'est parti en vrille, mais... c'est juste une blague débile. Ah. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Josh! Merde. Hé, il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que...
se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! T'es où? Anna! Je suis trop stupide. Anna, Bess. Oh!
Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? C'est intéressant. Alors, aimeriez-vous passer une semaine entière ici, tout seul? Ah. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Ah, une réponse pondérée. Pourtant, tout le monde a peur de quelque chose, non? Je me demande bien ce qui vous effraie. Je me demande. Ah, désolé, la session se termine. Nous le découvrirons lors de la prochaine session, d'accord? Tout, 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 tout.